Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre Versus sur Super Mario 3D Land avec Rat. Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, mais un peu stressé, hein, vu que ouais. c'est le cinquième point qui va se jouer. Ah merde, j'ai fait une petite erreur. Ah. Je vais mettre sur pause, j'ai appuyé sur le bouton pour commencer, donc je mets sur pause, et dès que tu me diras que t'es entré dans le niveau, je quitte et je reviens. Ah ouais, ouais, c'est plus simple, t'es rentré dans le niveau par erreur, ok. Ouais, j'ai appuyé sur A, j'étais genre trop chaud là, tu sais, genre allez c'est parti, on y va, mais en fait non, faut se calmer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà les 3 petites étoiles sur ce niveau, on a encore eu un petit fail avec l'enregistrement, c'est pas très grave, mais ouais. Donc c'est qu'un seul niveau. C'est bon là, t'es sur la map? Ouais, je suis sur le 5-1 devant. Ok, donc 3, 2, 1, go! C'est bon, voilà. Donc alors, ça c'est fait. Là, dans ce niveau, on va avoir une nouvelle transformation, la transformation boomerang. Voilà, qui est super intéressante pour. Ouais, enfin. Elle est pour ce niveau, vraiment utile. Juste pour ce niveau en fait. Juste pour ce niveau en fait, c'est ça. Non, je crois qu'il y a un autre niveau avec. Un niveau avec des rouages. Où t'es obligé de l'avoir parce que il y a une pièce étoile qui est au bord du vide. Ouais. Et même avec le Tanuki, si t'y vas, en fait, tu tombes. Alors. Oh punaise. Tac. Ouf. Là, j'ai géré ça. J'ai géré ce saut là. Oh mince. Je l'ai perdu. Oh punaise. Ça, c'est un avantage pour moi. Ouais. Oh mince. Léger avantage. Ça, j'arrive vu comme tu me mets la misère, est-ce que tu vas continuer de prendre les drapeaux dorés d'ailleurs? J'ai une question. Non, enfin je sais pas. Oh allez s'il te plaît, sinon je vais perdre moi. on va voir. Ça dépend. T'en es à où là? À l'ascenseur? Oui. Ah finesse, moi je suis entré dans la salle de l'ascenseur. Ouais, bah. Parce que j'ai loupé mon premier saut avec le Twomp. Ça s'appelle comment? C'est avec le Kabang en canadien. Oui, les Kabang. C'est comme ça en. En canadien. C'est les canadiens des trompes. Ou des wombs, je sais même plus. Tu sais qu'il y en a un qui s'appelle Kabang et l'autre, je sais plus, c'est un truc un peu pareil, mais pas exactement. Ouais. Du coup, j'ai pris un deuxième boomerang au cas où si je le perds, parce que la dernière fois qu'on avait tourné, je l'avais perdu une fois ou deux, donc ça m'avait bien dégoûté pour le level en scrolling. Oui, parce que coup, là, il y a une pièce étoile qu'on peut vraiment voir que grâce à ça. Ah bah tiens, justement, je viens de perdre le. Je viens juste de perdre mon. Ton boomerang ? Le boomerang, ouais, donc heureusement j'en ai un en réserve. Et là je viens d'en récupérer un grâce aux pièces rouges. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je suis tombé dans le vide. Enfin, en fait j'avais gardé mon boomerang en réserve mais j'aurais pas dû. Ah punaise, je suis en train d'essayer de me save. Est-ce que tu penses qu'on peut save ? Non. Non, on peut pas save. Je viens d'essayer et je suis mort comme ça. Je l'ai reloupé le boomerang. Hey, il est vraiment énervant ce truc du boomerang. Ouais, hein, il est super chaud. Alors, allez. Du coup, moi, comme je sais où spawn le frère marteau, je spawn direct. Heureusement, il apparaît toujours au même endroit. Ouais. Ça ajoute une phase. Franchement, c'est énervant ce niveau en scrolling parce que quand je mettais. Parce que bien sûr, je m'entraîne au moins une fois. Sur chaque niveau pour voir si je peux bien pour mémoriser un peu les pièces étoiles etc dans la semaine avant le tournage, et la première fois j'avais vachement réussi à choper la pièce étoile et du coup là ça m'énerve parce que je la trouve pas du tout. Donc ça c'est vraiment chiant quoi, parce que moi je galère pour la choper parce qu'elle est vraiment dure à choper, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ouf. Oh punaise, GG. Alors là je vais l'avoir direct, rien à faire, tac. Oh non, bon. Mais non, je l'ai encore loupé. Tu tires pas trop tôt ou trop tard? Je sais pas en fait, j'arrive pas à voir. Même en mettant la 3D, j'arrive pas à voir. Hein. Ah bah je le fais sans la 3D, pourtant. Ouais, c'est bizarre. Ah c'est bizarre, hein. Franchement ça m'énerve un peu. En plus j'ai perdu mon boomerang, j'ai plus de boomerang en réserve, donc là je suis avec l'unique boomerang que je peux avoir. Allez, on essaie d'y arriver. Je vais essayer d'y arriver là. En drapeau doré, mais là normalement tu peux pas le louper celui-ci. Ouais. Parce que c'est le tuyau, tu sais, enfin le canon. Ah oui. Et donc comme tu passes dans un cercle. En fait, si t'essayes de pas avoir le drapeau doré, tu risques plutôt de tomber dans le vide. Ouais, c'est ça. Alors donc là, ça va être le niveau à la Zelda. Ouais, le niveau en vue de dessus. Ouais. Oh punaise, j'ai perdu le boomerang, je suis vraiment mauvais aujourd'hui. C'est pas grave, je meurs encore une fois. Ah, je suis vraiment mauvais sur ce niveau en scrolling, je sais pas ce qui se passe, mais je suis mauvais. C'est peut-être que le boomerang est pas fait pour toi. Ouais, je crois que c'est ça, je suis pas habitué à lancer des choses, moi. Ok. Alors là, par contre, je dois faire gaffe de garder bien
Oh punaise, voilà. Le boomerang a failli me réavoir derrière, donc j'ai vraiment eu chaud. Ouais, mais... Parce que tu sais, quand tu shootes le frère marteau, là, enfin le frère ouais. boomerang, du coup, il y a un retour. Oui. Et du coup, j'ai failli me le prendre. Ah, t'as eu de la chance alors. Ouais, je l'ai esquivé à 2 mm, mais franchement, je suis vraiment pas bon sur ce niveau. C'est le niveau de. Pourtant, comme je l'ai dit, quand je m'étais entraîné, j'y arrivais facile. Je me disais, oh, bah, c'est bon, ça c'est réglé. Et du coup, bah, là, ça me dégoûte un peu, quoi. Y a pas le stress de la compétition. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, comme d'habitude, c'est la compète et tout, tu vois. Oh, punaise, je l'ai reperdu. Punaise. Ah, c'est bon, je l'ai eu de nouveau. Allez, cours. Je l'ai eu. Oh, bravo. Punaise, je l'ai eu. Fais gaffe, maintenant, crève pas. Hein. Je crève pas, là, c'est mort. Je l'ai eu. Et en fait, je crois que je le lançais trop tôt, c'est pour ça. Ouais, ça arrive. Oh, punaise. Non, si, ça sert à rien. Je suis allé encore dans une salle violette, les salles qui servent c'est plus. Punaise, j'ai perdu le boomerang, mais c'est pas grave, je suis toujours vivant. Je crois qu'il y en a toujours plus. Toujours en vie. Mon dieu, c'est horrible, je déteste ce niveau. De toute façon, on est au même point. S'il y en a besoin à un autre moment, moi je l'ai pas. Hein. Oh punaise, ouais. Allez hop, voilà, le canon. Alors... Punaise, j'espère que j'ai pas trop pris de retard. Bon, normalement. Ah bah si, un peu quand même. Ouais mais j'en ai pris mais pas trop. Si j'arrive à me débrouiller dans les autres niveaux, enfin de toute façon je pense que t'as gagné encore ce monde, mais je suis deg. Pour l'instant je récupère les drapeaux dorés. Hein. Ouais. Bah continue. Moi ça me dérange pas. Mais pour l'instant c'est des drapeaux dorés évidents, en fait tu perds plus de temps à essayer de pas les rattraper pour l'instant. Ouais. Oh punaise, je déteste quand ils mettent des petits dialogues comme ça exprès derrière les niveaux. Ah oui, le truc sur les onglets. Vous pouvez aller sur un monde précédent en cliquant sur les onglets. Ouais. Comme si on n'était pas au courant, quoi. Alors, tac, voilà, je savais qu'il y avait une fleur de feu cachée ici. Alors, le niveau bonus. Qu'est-ce que c'est ? Mon dieu. Avec que des plateformes jaunes et des pics. Ah ouais, ça c'est chaud, ça. J'en ai plus aucun souvenir, mais je crois que ça va faire mal. Oula. Oh punaise, j'ai perdu ma fleur de feu. Bah, je pense que tu peux quitter. Ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, parce que je crois qu'il n'y a aucun moyen sans la fleur de feu. Mais garde-la dans ta réserve, en fait. Ouais, mais du coup, comme c'était ma seule transformation du truc, voilà. Ah quoi. Oui. Du coup, je peux pas faire autrement que de la prendre. Ah, il y a un bon ici. Je suis vraiment pas bon hein, sur ce monde-là. Et là, on peut pas accuser de la maladie, cette fois. Donc voilà. Il y a un boomerang là dans le niveau, je l'ai pris. Je sais pas si c'est utile ou quoi, mais on va voir. Ouais. Bah s'il le donne, c'est que ça doit être utile, hein, Nintendo style. Ouais, mais en fait, c'est peut-être le genre de truc où c'est plus facile si tu l'as, mais c'est pas non plus obligatoire. Oh punaise, je l'ai mais comment ça se fait que je suis. Est-ce qu'il y a un moyen de l'avoir ici? Non, là non. C'est pas là. Y a pas moyen de l'avoir après la fleur de feu? Non. Attends, mais là, par contre, je suis obligé. C'est sûr que j'ai loupé une pièce étoile. Ah, je suis trop mauvais. Ah! Non, j'en ai pas. Je pense que tu peux dire officiellement que t'as gagné le cinquième. C'est pas sûr. Non, c'est sûr. Là, franchement, là, honnêtement, c'est sûr. À partir de maintenant, c'est sûr parce que j'ai perdu vraiment trop de temps. J'ai perdu vraiment trop de temps, donc je pense que t'as gagné encore. Donc là, tu prends le dessus. Hein. Je récupère les drapeaux dorés. À moins que je fasse une remontée exceptionnelle, t'as gagné. Ah pour l'instant, en fait, ils sont plutôt faciles. C'est juste le premier niveau, le truc super chaud, tu vois, du boomerang, mais après. Oh non, mais. C'est pas possible. Là, j'en ai trop marre. J'en peux plus. J'en ai assez, là. Y'en a assez. Dédicace à Arme. Voilà. Mais sinon, tu reviens la chercher à la fin. Ouais, mais bon, c'est. Comme ça, t'auras une transformation réserve d'ici là. Ouais. Sûrement. Bah là, de toute façon, j'ai relancé, donc... Ah, ok. Maintenant que j'ai relancé. Mince. Hein. Ok. Et du coup... Alors là, cette fois-ci, je me le prends pas, cette espèce de pic qui tourne. Je saute, je récupère, là. Ensuite, je vais là, et voilà, enfin, punaise. Je te confirme vraiment... que le boomerang ne servait à rien. Ok. Comme ça. Voilà, donc la petite musique à la Zelda que vous avez dû entendre quand Carmendo a fait lui-même le... Ouais. Le truc pour ouvrir les flammes, le tu petit sais. Cinématique de. Oui, enfin, la petite, le petit bruitage de quand t'ouvres un coffre. Donc, non, c'est pas quand t'ouvres un coffre, c'est quand t'ouvres une porte. C'est quand tu découvres un. Ouais, quand tu découvres un truc. Ouais, quand t'ouvres une porte, quand tu découvres un secret, tous ces trucs-là. Ouais, donc là, ça va là. Le niveau avec les taupes dans les tuyaux, enfin, là, c'est le truc. C'est toujours les labyrinthes. Tu récupères la deuxième, puis après la troisième, puis ensuite la première.
pourquoi je vais là-dedans, moi? Punaise, je suis allé dans un truc où il donne des pièces. J'ai hésité, je me suis dit peut-être qu'il y a la pièce étoile dedans. Je suis allé pareil. Ah, l'idiot. Je me suis dit peut-être qu'il y a la pièce étoile dedans, mais non. Et du coup, voilà, quoi. Par contre, ça me perturbe ce niveau. Ah, ça, oh, une simple. Vie, super. Oh, du coup, elle est je là, déteste ouais. ce niveau, par contre. Je sais jamais où sont les trucs. Ah, là, il y en a une, mais ça va certainement être la deuxième. Hein. Ah, en fait, le boomerang sert pour le niveau suivant. Ah, enfin, ok, d'accord. Il sert autant que... En fait, il sert pas énormément. C'est une boule de feu, ça fait pareil. En fait, il sert okay, juste d'accord. à pouvoir buter les ennemis plus facilement. Ah, donc, du coup, j'ai toujours la boule de feu. Je vais terminer le deuxième niveau. Ouais. Donc... Là, ah, il y en a une là. Et voilà. Okay. Même comme ça, je loupe le drapeau doré. Ah, je suis trop mauvais. Ok, ça, je savais même pas qu'il y avait des blocs ici, mais bon, tant mieux. Mais merci, mais voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, donc là, c'est le niveau. Je crois qu'il y a un niveau au bout d'un moment qui se passe un peu dans les airs, je crois. C'est ça, c'est. C'est le niveau spécial. Avec des trucs à bascule, si je m'en souviens bien. Ouais, ouais, c'est le niveau dans les airs. Et c'est celui où tu y arrives? Non, bah, je l'ai fini là. Oh punaise, t'es trop loin. Ouais, là, j'ai perdu trop de temps. Bah, j'ai récupéré. Je suis arrivé au milieu du niveau suivant là. Ah, ok, d'accord. Mais après... Mais continue de perdre du temps, moi, ça me dérange pas. Mince. Ouais, mais non. Alors là, je suis sûr qu'il y en a une cachée quelque part, mais ça... Là, t'as l'avantage parce que tu... Si tu te souviens où sont les trucs, normalement, ça va y aller. Ouais. Bah, normalement, je m'en souviens. Après, ouais. De là à m'en souvenir parfaitement... Je rêve ou il y a que ça, ici? Ah bah non, il y a que ça, super. Ok, et là... Une fleur de feu. J'espère qu'il y a un truc à prendre bien, là. Ah, il y a un boomerang, super. Ouais, bah, donc, j'ai pris tu le peux boomerang, le prendre, il peut être utile pour la prochaine réserve. Fois. Ouais. Alors, où est voilà, faut vraiment que je me concentre. J'aime pas du tout la 3D, ça me saoule. Pourtant, c'est le but de la console, mais bon. Ouais, bon, il y a plein de gens qui sont allergiques, on dirait. Ah non, mais moi, je sais pas... En plus, c'est ça floute un peu le truc, donc c'est assez gênant. Ah. Enfin, je sais pas si ça floute un peu le... Mince, ok, ouais. Il y a toujours pas de première étoile là, je trouve ça bizarre. On en elle arrive super tard, elle arrive après le drapeau, il me semble. Ah ouais, je vois ça. Oh punaise, ça c'était du skill! Mais je suis mort. Ah. Mais heureusement, juste après le tuyau. Ouais, j'avais eu du skill. Pour une fois, j'avais eu du skill et je l'ai loupé. Alors là, vu que Lucas est paumé, je vais vous montrer une astuce là. Il y a une pierre qui est dorée, si vous la balancez dans un tuyau, si j'y arrive. Hein. Comme Lucas, c'est qu'une grosse merde, je vais pouvoir vous montrer une astuce. Si j'arrive, j'y arriverai pas. Elle va se péter avant. Ah non, elle se pète jamais. Ah bah si, elle se pète. En fait, si on la balance dans le tuyau, elle se transforme en... Vas-y, tu peux recommencer hein, pour leur montrer. Hein. Non, ça ira. Elle se transforme en champignon si on la balance dedans. Alors ça, vas-y, viens, je vais chercher le drapeau doré. Voilà, donc là, je suis dans le passage de la deuxième étoile, du coup. Dans le passage dans les nuages, franchement, je suis mauvais. Je suis presque meilleur à 3D World, tu vois. 3D World, ça va, tu t'en sors d'ailleurs, t'en es où? Bah, j'ai fait le live hier sur 3D World, j'en suis au monde après la neige. Ah non, même pas, je l'ai terminé le monde d'après la neige, le monde du désert 2, je crois que je l'ai terminé. Du désert 2? Il y a un deuxième monde désert. Ah, le canyon. Le canyon. Ouais, okay. Canyon. Non, c'est un style de désert encore. Ouais, ouais. Alors. Là, un monde géant. Ça commence bien. Eh, mais il ressemble vachement à un niveau qu'on a déjà fait. Ok, d'accord, je viens de faire une connerie. Le one-up qui s'envole dans le ciel. Oh, c'est pas grave, les one-up. Enfin, c'est pas un one-up, c'est... Une fleur, enfin un bonus qui s'envole dans le ciel vu que je l'ai lancé trop tôt donc il s'est envolé. Ah, un bonus voilà. Comment ça? La fleur de feu. Du coup je pense que je sais pas si je vais avoir comme prochaine transformation dans le truc des taupes là vu que genre, je les vois de côté. Ça, ouais c'est ça, c'est l'espèce de taupe qu'il y a dans Super Mario World. Ouais les taupes taupes. Ouais j'aime pas du tout, je les trouve trop moches. Oui et elles sont énervantes parce qu'elles courent vers toi. Enfin ouais. Là, elles courent plus trop vers toi, mais bon, quand même. Elles sont un peu fatiguées, quoi. Alors, première pièce étoile. Alors, où est-ce qu'elle est, la première pièce? Ouais, si, c'est bon. Est-ce que c'est là? Ah là, il y a des jumelles, je vais pas faire le coup de pas aller vous regarder, hein. Sauf que je crois que pour une fois, ça sert à rien. Quoi qu'il y a un Toad là-haut. Oh, un Toad dans un petit bloc, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous montre quoi?
Alors, juste deux secondes, il y a peut-être entendre mon père. Je couperai, tu couperas le son à ce moment-là, j'espère. Oui. Oula. Si on entend trop. Non, mais le Toad, il sert à rien. Oh, le Toad, il fait que de se jeter. Ok, je fais n'importe quoi. Je sais pas, je sais que je devrais pas du tout... Oh, punaise, j'ai fait n'importe quoi. Je repars de l'autre côté. J'ai fait n'importe voilà, quoi. Ah, super. Ah, punaise. C'est vraiment chiant. Allez, toi... Et ça me fait perdre du temps vu que j'ai pas de transformation. Bon. Oh, les Goombas géants. Qui servent strictement à rien parce qu'ils n'ont qu'un seul point de vie. Oh, un Tanuki. Mais non, je préfère ça et le Tanuki. Ah bah de toute façon, on est obligé. Ah oui, on est obligé d'utiliser le Tanuki pour avoir une pièce étoile dans le niveau suivant. Mais ah bah non, en fait, non, c'est juste pour des pièces. Ouais. Mais de toute façon, il y a un Goomba qui nous le donnait. Alors. Tac, 2. Oh punaise, je crois qu'au bout d'un moment, tu crois pouvoir faire une chaîne avec les taupes, mais en fait, tu peux pas. Tu sais, ils font genre, tu peux faire une chaîne de saut, mais tu peux pas. Ça dépend. Bah, j'ai essayé et ça a pas fait la chaîne du tout, en fait. Le premier passait, le deuxième aussi, mais le troisième passait pas. Ah, d'accord. Mince, il me manque 2. Oh, pour une vie qui tombe dans le vide, super. Oh punaise, oh non, je suis mort. Oh l'idiot. Ah franchement je suis mauvais aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe mais je suis mauvais. Il y a des jours comme ça où on n'est pas en forme. Ouais c'est ça. Allez. Moi je fais ça à chaque fois alors que je sais très bien que c'est pas ce qui marche. Tac, on fait ah là ça. On peut faire une chaîne avec les coccinellis. Mais j'y arriverai jamais. Et je vais tomber dans le vide. T'es mort? Non. Allez. C'est pas sûr, Tu peux tomber hein, c'est pas grave. C'est hein, pas sûr. Oh, alors là, c'était tendu, mais... Pourquoi c'est pas plus tendu? Ouh là, c'était super tendu, par contre. J'ai failli tomber dans le vide, ça s'est joué à rien du tout. Oh, t'aurais pas pu faire un petit effort, glisser Je sais pas, moi. Non, c'est bon. Oh, allez. Je me demande, ils servent à quoi, les tuyaux au-dessus, là? Quel tuyau? Tu sais, t'as des tuyaux au-dessus d'un passage secret, je sais pas à quoi ils servent. Il y a 5 tuyaux. Ouais, ils servent à quoi? Bah, c'est la suite. Ah ouais, moi je faisais... Ah ouais, mais moi j'étais... Ah ouais, ok, d'accord. Moi je faisais dans l'autre sens, en fait. Ah. C'est le deuxième tuyau vers la droite qu'il faut prendre. Les autres, ils te ramènent... Ouais, non, mais je l'ai pris, là, déjà. J'ai déjà terminé le stage. Enfin, déjà. J'ai juste 20 minutes de retard, mais bon. C'est pas grave. Il y a un autre niveau, donc ça, c'est une maison champi. Toi, t'es au boss, je suppose? Pas encore. Enfin, je suis dans le niveau du boss, pas encore au boss. Ouais, c'est pas un scrolling ou pas? Non. Ah non, c'est un château de Bowser. T'as peut-être une chance de crever, même si je ne crois pas. Bon, dans les châteaux de Bowser, surtout avec un Tanuki. Ouais, tu risques pas, quoi. Ouais, faut juste que j'oublie pas les pièces étoiles. Ouais. Je sais pas du tout où elles sont. Oh, un pyro-dragon. Ah, il n'y aurait pas une au-dessus. Ouais, il y en a une là. C'est bon. Oh, il y en a une là qui est super tendue. En fait, non, ça va. Allez, le pyro dragon. Il y avait une pièce étoile ici, mais en fait, non. J'ai cru la voir, mais non. Ah, des fois. On croit se souvenir d'une pièce étoile qui se trouve à un endroit, en fait, non. Ah, voilà, je vois où elle est maintenant. Voilà, alors, là, les jumelles, qu'est-ce qu'elles montrent? Et rien du tout, je suis sûr en plus. Punaise, pourquoi je fais ça? Je cherche juste un one. Punaise, il donne deux que des bloqués. Et l'arrivée, c'est tout. Non, y a rien là-haut. Il y a peut-être. Non, il y a. Je crois que les jumelles ne servent à rien, c'est ça? Ouais, c'est. Enfin, Toad te donne un champi. Ouais, donc ça sert à rien. Allez, frère marteau. Oh là là, la deuxième, je l'ai chopé. Oula, là, c'est chaud. Voilà. Bowser. Ouais, ça se voit qu'on est concentré, hein, parce qu'on ne commente pas trop. C'est un peu chaud. Là aujourd'hui, ouais. Attends. Là, moi je suis contre Bowser. Okay, moi je vois. Ah, je vais voir si on peut lui balancer un boomerang, ça fait quelque chose. Parce que dans genre le... Quoi? Mais genre, je peux pas contrôler le truc. Quel mais, truc? Mais pourquoi? Mais mon personnage veut plus bouger, il veut plus. Ah. Tu sais, il a fait un saut et il était bloqué, il voulait plus se déplacer, il voulait plus. Plus rien faire, il a fait no, fuck the world. Avec le bloc? I just want to die. Comment? Avec le bloc? Ouais.
Ah oui, mais le bloc, tu peux quasiment plus le contrôler quand t'as déjà fait ton saut. Non, mais c'est... j'avais même pas utilisé le... l'hélico du bloc. Ah, c'est bizarre. Bah ouais, c'est bizarre, tu m'étonnes que c'est bizarre. Bon, Osef. Ouf. Voilà, c'est en plus, bon. Je perds encore un temps fou. T'as gagné du coup ? La Bowser est battue. Je suis pas encore au drapeau, mais bon. En fait, c'était encore un Kamek déguisé en Bowser. Et c'est le G. Bah là, du coup, je le contrôle parfaitement bien, quand même pas hasard. Je sais pas pourquoi il a pas. C'est bizarre. Il l'avait pas voulu. Alors voilà, bon. La troisième pièce. Encore le drapeau doré, hein. Voilà, tac, j'ai pas, je suis pas mort là cette fois. Voilà. Chaud. Bah bien joué Kia, bah t'as encore gagné un point. Ouais, 3-2. Bon. Ouais, franchement, je suis pas fort là. Ah, ça va revenir. Pas bon aujourd'hui. Entraîne-toi pour la prochaine fois. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il faut que je te dise ? je suis mauvais, hein. Mais non. Ah non, mais là j'ai vraiment été mauvais, les deux premiers niveaux m'ont tué en fait. C'est 3D World qui t'a fait perdre l'habitude du jeu. Ouais, mais c'est ça, en fait, 3D World, tout est plus rapide, tout est plus fluide, du coup, moi, tu sais, ouais. Voilà, quoi. Et puis, même, les personnages sautent plus haut et courent plus vite, j'ai l'impression, dans 3D World. C'est possible, oui. Et du coup, bah, voilà, je me fais avoir bêtement. Je crois qu'il faut plus vite, sauter plus haut, je sais pas, mais courir plus vite, si. Courir plus vite, ça, c'est sûr, parce qu'il y a, ouais. Y a des timings que je pensais avoir et je les ai plus du tout, donc je suis deg. Ouais. Donc voilà, bah, on va passer, là, je commence le château à peine, donc t'avais bien un bon niveau d'avance sur moi. Ouais. Et je me suis permis de tout ramasser en plus. Ouais, en plus. Oh, après, ça va être un niveau. Avec un pont encore. Bah, on n'a pas encore fait, si, non, je sais plus. En fait, c'est marrant parce que toi, quand tu gagnes, tu t'as 8 minutes d'avance, tu sais, moi, quand je gagne, c'est à la seconde près. En plus, c'était que au début du versus, donc tu vois, il y avait. Toi, t'étais pas encore, tu sais, très. J'avais pas encore repris l'habitude du jeu. Voilà, c'est ça, t'étais encore en 3D World en fait, toi. Ouais. Du coup, bah, c'est moi qui me fais larguer maintenant. Tu t'en sors dans le château ? Bah là, ça va, ouais, je suis pas trop en train de crever, ça va. Bon, ça va, le château est pas si dur que ça. Ouais, par contre, je sais pas où est la première pièce, je sais pas si elle est au début ou. Je crois, elle est sur un des trompes. Ouais. Mais à un moment où t'as trois trompes contre le mur. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je les vois, bah, je le vois d'ailleurs, y a un passage qui m'aide à le. Et Mario ne veut pas faire son saut retourné, donc ça me saoule. Ouais. Voilà. Mais tu sais, normalement, t'as Mario, il a un saut retourné, tu vois, un truc dans le style. Et là, il veut pas le faire. Ah, la toupie enfin, non, tu sais, quand tu fais un saut style, tu cours en arrière et tu reviens dans l'autre sens. Ouais, la roue, là. Ouais, une espèce de roue en l'air, quoi, tu vois, il veut pas la faire. Je crois qu'il peut pas la faire dans celui-là. Ah, si, il peut. Ici, il peut. Si, si, il peut, si, si, il peut. Oui. Le Toad, il donne un. Rien du tout. Ah, les jumelles ne servent à rien, là. Ouais, servent à rien. En plus, j'y retourne en me disant peut-être que si, mais non. Rien du tout. Attends, je voulais aller voir. Oh punaise, elle est chaude la troisième pièce étoile. C'est bon, je l'ai eu. C'était ouais. Poseille en fait. Donc, du coup, bah, j'en suis déjà. Je vais peut-être aller battre Bowser. Moi, je vais montrer l'album là. Bowser vient d'apparaître. Ouais, il est assez chaud quand même, Bowser là. Celui-là ? Ah ouais, du coup, moi, du coup, je suis mauvais parce que j'ai aucune transformation. Donc, je crois que ça va être chaud cacao. Enfin, si, je suis juste grand, quoi. En mode grand Mario. C'est juste un album avec les photos qu'on a déjà gagnées. Ok, d'accord. Et je meurs juste après. GG Well Played, Rat. Bravo. GG Well Played. En fait, j'ai couru et j'ai sauté dans la lave. C'est pas super. Ouais, c'est pas très bon. Je crois que je vais pas tourner plus de vidéos aujourd'hui parce que sinon je vais perdre. Je vais tout rater dans mes autres vidéos de toute façon, ça j'en suis sûr. C'est pas un jour pour tourner aujourd'hui. C'est possible. Ouais, il y a des jours comme ça où tu peux pas contrôler. Bah tu dis quand tu veux terminer la vidéo, hein, y a pas de problème. OK. Bon, je me remets devant le monde 6-1. Bon bah merci à tous d'avoir suivi cet épisode et désolé Rat, t'as pas à être désolé, tu joues, c'est moi qui suis mauvais hein, tu sais. On verra. Oh bon. Punaise, et je me. Ah, je suis mauvais. Bon, tu feras ça tranquillement. Bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve samedi normalement pour la suite. Voilà, salut. Voilà, salut.